J'en supplie, ne me tuez pas. La fin du monde. Des fois, je me dis que c'est ce qu'il faudrait pour le sauver. Depuis un bon moment, ce genre de pensée me traverse l'esprit. Pire encore, elle m'obsède. Comme la plupart des gens vivant à Pescadero, je devrais me sentir en sécurité, mais ce n'est pas le cas. Putain, géomètre. Attention, je n'ai rien contre la profession, c'est juste que c'était pas pour moi. Je m'appelle John Cooper. Depuis la mort de mes parents, il y a un peu plus d'un an, je... Les ondes GSM émises par les cellulaires sont bel et bien dangereuses. Nous allons à présent consacrer la seconde partie de cette édition au meurtre réitéré du serial killer, dont l'identité demeure toujours inconnue. Un portrait robot de ce dernier a pu être établi par la police criminelle, selon les dires d'une de ses victimes qui fut séquestrée 13 jours durant dans la cave du psychotique. Allô? C'est moi, John. Ça me fait plaisir de t'entendre. À moi aussi. Ça va un peu mieux, toi? Tu parles de mon mal de dos ou de ma dépression? À ton avis, idiot.
Je sais, j'essayais juste d'être marrant, mais bon, j'ai encore du pain sur la planche. Sinon, non, pas trop. J'ai vomi toute la matinée. Des chapelets de boudin, ce startard, malade comme un chien. Arrête d'être tout le temps négatif, tu ne vois que le noir. C'est pour ça que c'est une maladie. Une maladie contagieuse, je sais. Tu ne veux pas qu'on se voit, je sais pas, même 1 ou 2 heures, on pourrait se balader. Je sais pas, je pense pas être en état, babe. Babe, j'ai l'impression que tu m'appelles comme ça pour la première fois. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Je sais même plus. Je peux rien t'apporter de bon en ce moment. Je t'ai fait du mal. Oublions les mauvaises choses, s'il te plaît. J'y arrive pas. Je suis désolé, mais je dois m'en sortir seul. Gile-moi ton portefeuille, et vite! Oui, calmez-vous. Mais, vous êtes le gars de la télé?